Alors? J'ai sa pièce d'identité avec quelques documents. De qui s'agit-il? D'un certain Xavier Bouquini, 38 ans, entrepreneur. Les documents portent une adresse quelconque. Mais oui. Voici une facture d'électricité. Tiens, jette un coup d'œil. Attention, c'est mouillé. À ton avis, que lui est-il arrivé? Ça m'a tourné d'une agression. Cadavre dans un sac. Il pourrait aussi s'agir d'un meurtre. Peut-être bien, mais je ne parie pas beaucoup là-dessus. Nous allons ouvrir l'enquête. Mais avant, il nous faut le diagnostic du médecin légiste. On le transporte à l'hosto? Bien sûr. Ok, je m'en occupe. Oui, allô central, ici à Jean John. Nous avons urgemment besoin de l'ambulance à la zone nord du côté de Yupwe. Zone nord de Yupwe. Bien, merci. Nous allons rendre visite à sa famille. S'il en a, bien sûr. On verra. S'il te plaît, passe-moi les gants. Je vous prie de nous tout au commandement.
Chérie? Chérie? Georges, dépêche-toi, je risque de rater mon vol. Quelle beauté sublime! Tu es ravissante, ma chérie. Merci, mon amour. Mais il se fait déjà tard et je dois me dépêcher. Il y a encore du temps, ne t'en fais pas. Quel bonheur d'être ton époux. Mon amour. J'espère que ces Asiatiques ne vont pas me taper dans le dos. Oh. Ça ne risque pas d'arriver, mon amour. Mon cœur ne bat que pour toi. Ne l'oublie jamais. Ça me rassure. Sache également que je t'aime de tout mon cœur. Faut vraiment que j'aille. Oui, là, tu as raison. Julie? Julie? Julie! Papa! Amène-toi, s'il te plaît. Maman s'en va. Viens, ma princesse. Chérie, n'oublie pas que la petite a rendez-vous chez le pédiatre lundi matin. Compte sur moi. Ma puce, maman va devoir partir. Surtout, ne fais pas de bêtises. Et sois gentil avec papa, d'accord? Quoi, maman? Tu es un ange. Au revoir, mes amours. Au revoir, ouais. Maman? Oui, ma chérie. Tu me gardes une nouvelle poupée. C'est promis, ma puce. Au revoir. Bye. Bye. Recule, tricheuse. Je suis sûre qu'avec ce que je vais te flanquer, j'aurai des espaces ce soir. Observe. Dix. Oh, t'inquiète, la prochaine fois sera la bonne. Je maîtrise le jeu, ma belle. Oh. Je vais te donner une raquette légendaire. Regarde-moi là-bas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et puis, ne te chauffe pas trop. Tu sais, c'est la fin qui justifie. Mes jours. Du calme, poupée. Tu ne comprends jamais rien. Je cherche la meilleure position du dé. Regarde-moi ça. Le portrait craché d'un amateur. Mais tu vas jouer à la fin. C'est bon. Je me lance. Allez, vas-y. Thank you.
Hors de question, madame. C'est moi qui joue. Et je m'en fous si t'es maladroite. Passe-moi la boîte. Non, Nikki. Tu me dois de rejouer. C'est injuste. Tu fais la boule ou quoi? Je te rappelle que c'est pas un jeu ordinaire. J'ai parié mes balles et je bosse dans 2 heures. Passe-moi la boîte. Mais Nikki, moi aussi je bosse dans 2 heures. Passe-moi la boîte. Qu'est-ce que tu racontes? Passe-la moi. De toutes les façons, si tu ne me laisses pas jouer, je ne joue plus. Je récupère mes balles, n'y pense même pas. Je récupère mes balles. Étant donné que j'ai de l'avance sur toi, elles m'appartiennent maintenant. Alors, ma puce, maintenant que maman est partie, on va se débrouiller tout seul. Tu sais que papa est nul en cuisine. On ne va pas éternellement se nourrir au restaurant. Il faut qu'on recrute une nouvelle ménagère. Qu'est-ce que tu en dis? T'as raison, papa. Tu as même trop tardé. En plus, Tata Gisèle ne savait pas faire la cuisine. Oh, je t'ai toujours dit que c'est vilain de disparaître. Allez, viens, ma puce. Voilà, tu fais belle et tu m'accompagnes quelque part, d'accord? Mais tu peux pas être trop cool. Ah, d'accord, allez, vas-y, ma puce. Oui, on entend. Bonjour madame. Bonjour. John de la police spéciale. Agent Glenn. Bonjour madame. Nous sommes bien au domicile de monsieur Xavier Bokini. Oui, je suis son épouse. Excusez-nous pour le dérangement, mais nous avons des questions à vous poser. À quel sujet? C'est un sujet délicat madame. Je serais très peu confortable de poser devant la porte. Pardon, excusez-moi, entrez, je vous prie. Super jackpot. Nikki, tu sais, je n'en ai plus en réserve. Nikki, je n'en ai plus en réserve. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Nikki, s'il te plaît. Pardon, Nikki. Tu peux t'en acheter d'autres. Les boutiques ne sont pas scellées. Tant tu n'as pas encore payé, tu le sais très bien. Mais c'est quoi mon blême? Dans ce cas, j'irai faire le full contact et tu seras responsable des IST que je vais choper. Oh, ça n'engage que toi, mais tu rendras compte à tante. Ok? Thank you.
asseyez-vous. Je vous sers quelque chose? Non, merci. Un verre d'eau pour moi. Bien. Niki, Niki, regarde-toi. Tu n'es pas de ma catégorie. La prochaine fois, tu le fais avec Joyce. Loser. Vieille peau. C'est à moi que tu t'adresses? Non, merci. C'est à Niki. Ah. Fin temps de service. Aucune médaille. Aucune. Je sais. Je sais. Vous êtes toutes jalouses de moi ici. Si bien sûr vous ne trouvez aucun inconvénient. Il n'y a pas de problème, allez-y. Est-ce qu'il est là, votre mari? Non, il a voyagé. Je sais, vous êtes toutes jalouses de moi ici. Toutes jalouses. Je ne sais pas pourquoi Tantine tarde à t'envoyer en retraite. Je sais. Je sais. Elles sont jalouses de moi. Jalouses. Mais... T'inquiète. T'inquiète, Fanny, on va s'en sortir. Concrètement, il y a une semaine. Pour quelle destination? Je ne sais pas, j'en sais rien.
C'est curieux, madame. C'est pourtant la personne la mieux indiquée pour le savoir. Jamais dit que je suis stérile à l'hôpital. J'ai l'intention de prendre une deuxième femme. Donne-moi de tête de quoi ton... Je n'ai pas vu mes règles. On va t'acheter d'autres règles, non? Vous avez un problème? Oui, chef. On va le déférer après demain. Il faut les faits de déferrement. Je suis maître Luc, le plus brillant des avocats. Ce n'est pas vrai. Si je ne le trouve pas ici, je viendrai là-bas. Imaginez la suite. Un invité qui n'est pas venu avec son épouse. Coupez les lumières. À cause de ce marabout là, tu t'entends plus avec personne. Mon marabout ne me trompe pas. On a pris ça mystiquement dans la nuit. Tu suis l'enfant la main. Tu peux manger son cadavre. Venez avec mon argent. Pardon. Pas mon fiancé. Décroisez les pieds. On ne marche pas les chevaux devant les supérieurs. Parce que j'ai fumé. Je fume quand j'ai bu, papa. Je bois quand je suis en boîte. Ah! Quand je suis sorti de la prison. Ah!